Après sa séparation avec l'Afrique, Madagascar a évolué dans l'isolement le plus complet pendant des millions d'années, donnant naissance à des espèces uniques au monde. Quand les premiers colons sont arrivés, il y a 2000 ans, ils ont exterminé en peu de temps tous les gros animaux tels que les lémuriens géants de plus de 200 kilos. Malgré tout, l'île reste l'un des plus grands sanctuaires naturels du monde, avec des milliers d'espèces qui n'existent nulle part ailleurs. Mais la grande île est en danger. Elle perd sa couverture forestière à un rythme effréné. Les trois quarts des forêts d'origine ont disparu. Face à une tragédie écologique annoncée, les programmes de conservation se multiplient dans le pays. Dans le parc national de Marujeji, une équipe étudie l'une des plus rares espèces de lémuriens, les Propithex soyeux. Dans le nord-est, Désiré Rabari, un écologiste passionné, crée sa propre réserve pour conserver les forêts de son village. Dans la baie d'Antongil, Augustin Sarovi et son équipe préservent la forêt de Farankarène et luttent contre la déforestation en créant des micro-barrages. Les tortues radiées du sud de Madagascar ont leur village, un refuge unique pour conserver et étudier cette espèce menacée. Au pays des pêcheurs Vézou, dans le sud-ouest, l'association Rive Doctor protège les récifs de la baie de Ranobé. Dans la forêt de Vouiman, une ONG valorise les ressources naturelles par la production d'huiles essentielles et la recherche de principes actifs. En 1948, l'éminent botaniste Henri Humbert explore le massif de Marujeji. Dans son livre intitulé « Une merveille de la nature », il le décrit comme le plus prestigieux de l'île en raison de sa haute biodiversité et de son état quasi intact. Ce constat reste d'actualité. Sa richesse attire les scientifiques, notamment une équipe qui étudie l'une des plus rares espèces de lémuriens. L'objectif de notre mission aujourd'hui est d'aller au cœur de la forêt pour retrouver le groupe de Propithex soyeux que nous étudions. Il s'agit d'une famille où les deux femelles auraient eu des bébés. Rachel est particulièrement pressée de voir ces nouveau-nés que les pisteurs viennent de découvrir. Jamais encore, elle n'a pu les observer. Accompagnée d'un guide du parc, Rachel part à la rencontre des pisteurs dans une forêt particulièrement accidentée. Elle assure le suivi de l'espèce en l'absence d'Eric Patel, un primatologue américain qui les étudie depuis plusieurs années. 11 espèces de lémuriens ont été enregistrées jusqu'à présent à Marujeji. La plupart sont fragilisés par la perte de leur habitat forestier, mais le plus gravement menacé reste le Propithex soyeux, qui ne vit que dans ces massifs du nord-est de Madagascar. Nos connaissances sur cette espèce sont incomplètes. Nous estimons qu'il y aurait entre 100 et 1000 individus. Actuellement, nous étudions un groupe, nous le suivons et l'observons plus particulièrement sur le plan de ses vocalisations et aussi sur son mode de marquage olfactif. Quelques guides du parc sont attachés au programme de recherche sur ces lémuriens. Ils se relaient pour les traquer. Pour être sûr de les retrouver, les deux pisteurs se sont postés dès 5 heures du matin au pied des arbres où la petite famille de Propithex s'était endormie la veille. «
Plutôt que de cibler une aire spécifique et d'essayer de les compter, nous préférons opérer sur une zone plus vaste de la forêt en avançant par étapes sur un mois. Pendant cette période, nous tentons de trouver de nouveaux groupes que personne n'aurait vus auparavant. Les Propitex soyeux vivent en groupe de 2 à 9 individus. Rachel répertorie chacun selon ses caractéristiques physiques. Foot Diaby. White cap. Casquette blanche. Black face. Face noire. Pink lips, tu sais. Lèvres roses. Larger than BP baby. Pink hand. A black hand. Black hands. Arthungen. Tadien. Ils sont vraiment très différents des autres lémuriens que nous pouvons voir ailleurs à Madagascar. Certains ont un faciès rosâtre, d'autres complètement noir, d'autres encore ont des taches de pigmentation, rose et noir. C'est ce qui nous permet de les différencier. Certains ont aussi une casquette plus foncée sur le crâne. Ils ont tous une fourrure entièrement blanche, ce qui leur donne un peu une apparence de fantôme. Ils se déplacent très vite en bondissant dans les arbres. Comparé aux pattes avant, leurs pattes arrière sont très longues. C'est ça qui facilite leur mobilité dans la canopée. Chaque jour, ils parcourent environ 700 mètres tout en restant sur leur territoire. Contrairement à beaucoup d'espèces de lémuriens de Madagascar, les Propitex soyeux ne peuvent pas vivre en captivité. 44 hectares is the total area of forest each group requires. Chaque groupe a besoin d'un territoire de 44 hectares pour trouver sa nourriture. Leur régime alimentaire est très diversifié. Nous avons découvert, par exemple, qu'ils se nourrissaient de 83 espèces différentes de végétaux. De ce fait, il est impossible de s'en occuper correctement en captivité. Environ 7 périodes comprises entre 15 minutes et 3 heures sont consacrées quotidiennement au repos, le temps nécessaire pour digérer les feuilles consommées. Pour la communication, il existe une dizaine de sortes de vocalisations associées à divers contextes sociaux et écologiques. Ils ont un jeu de vocalisation que nous sommes arrivés à décrypter. L'un des appels est le zous. Ils l'utilisent quand il y a un danger potentiel venant d'un prédateur. À ce moment-là, on entend ce son, zous. Souvent aussi, on entend un cri qu'on appelle jacassement aigu. Ça fait ça. Je ne suis pas une experte en imitation, mais c'est quelque chose de genre. C'est extraordinaire. Là, ils sont en train de jouer et de développer leur relation sociale. Et c'est vraiment génial d'entendre leurs cris. L'équipe rejoint le groupe de lémuriens qui s'est éloigné. Les femelles ne s'accouplent que quelques jours dans l'année. Elles donnent naissance en moyenne à un petit tous les 2 ans. Chez les Propitex soyeux, mâles et femelles ont à peu près la même taille. Mais on peut les différencier parce que les mâles ont une particularité sur leur poitrail. Près du cou, ils ont une glande sécrétrice et cette glande fait apparaître une tache plus sombre. C'est la seule distinction visible entre mâles et femelles. C'est vraiment exceptionnel de voir les bébés. Et plus exceptionnel encore, pour la première fois, les petits de cette espèce sont filmés.
Il s'agit d'une famille d'après nos connaissances et nous apprenons toujours sur cette espèce. Il y a un mâle reproducteur, des femelles en âge de procréer, des jeunes et des bébés. C'est magnifique de voir cet adulte mâle qui a rejoint récemment le groupe, qui en est devenu le mâle reproducteur, et de le voir en interaction avec les deux femelles qui viennent juste d'avoir leur bébé il y a 3 semaines. Il est très affectueux avec les petits. L'un des petits de celle surnommée Tête Noire Main Rose est en train de grimper pour mordiller l'oreille du mâle. C'est génial d'être témoin de cet échange. Rachel est sous le charme de cette scène tendre et rare. L'étude du comportement entre parents et petits commence avec ses premières observations. La mère arrive difficilement à contrôler son petit. Le bébé est assez grand pour commencer à jouer, à s'aventurer, à s'éloigner du giron maternel. Il est en train de grimper sur sa tête, sauter sur la branche voisine, jamais loin de sa mère. Il expérimente petit à petit le monde environnant. C'est très important que les petits restent avec leur mère. Elles n'en ont qu'un. Et il est important qu'à tout moment, un adulte du groupe ou la mère garde un œil sur le nouveau-né. Cette surveillance rapprochée les protège des prédateurs. Le seul danger pour ces lémuriens, c'est le fossa, un petit carnivore endémique considéré comme le plus grand prédateur de l'île. Maintenant, nous commençons à avoir une meilleure connaissance des lieux où vivent les groupes, et cela va nous permettre de leur assurer une meilleure protection dans l'avenir. Rachel va continuer à étudier cette famille de lémuriens et elle prépare une expédition pour inventorier d'autres groupes ailleurs dans les 60 000 hectares du parc. Peu à peu, elle souhaite parvenir à une meilleure estimation du nombre de Propithèques soyeux qui y vivent.